Une fois de plus, au nom du gouvernement gabonais, je suis tout heureux de vous voir tous présents ici. Et sur ce, je voudrais, si vous me permettez, donner la parole à notre collègue ministre des Affaires étrangères de la République du Tchad, qui a la lourde charge de présider nos travaux. Je vous remercie. Je voudrais, en votre nom, à tous dire au gouvernement centrafricain et aux insurgés que nous avons hautement apprécié le fait qu'ils aient observé la trêve sur le terrain. L'arrêt des hostilités ouvre maintenant la porte du dialogue pour toutes les parties centrafricaines, un dialogue que nous voulons sincère et porteur d'espoir pour les centrafricains qui n'ont que trop souffert de l'instabilité. Comprenez que le comité de suivi ne soit pas en mesure de venir demander le départ d'un chef d'État. Nous n'avons pas ce genre d'agenda. C'est une question qu'on peut poser peut-être au parti, mais pas à un médiateur. Il ne vient pas ici pour faire partir X ou Y. On souhaite qu'elle se déroule très bien. On est conscient de la difficulté, mais on ne peut pas arriver ici et se dire tout de suite que ça va être impossible. On va travailler.